écoute, Mirabel, écoute. Personnellement, j'ai toujours pensé que si j'ai perdu la guerre de 40, Mirabel, c'est à cause de la mauvaise qualité des communications téléphoniques. Ici Glantine, parlez. La 7e compagnie, mon colonel, le capitaine Dumont. Ah, tout de même. Églantine ! C'est pas tout à fait Églantine ! Ici Mirabel, mais qu'est-ce que vous foutez, mon vieux ? Le temps de boire un cognac et on part ! Je n'accablerai pas davantage nos soldats qui, à l'exemple de mes hommes, tels Chaudard, Pithiviers et Tassin, sur se montrer tour à tour héroïque, mais lucide, courageux. Au secours ! Qui s'est rien de cassé ? Voire téméraire, mais cependant astucieux. Souffle. À table. Bien qu'ils fussent continuellement traqués, et même détraqués. Seul ! Mon lieutenant, je suis bloqué. Les Boches, ils ont des bottes, ils perdent pas le temps à s'envelopper les pieds comme des cadeaux de Noël. Qu'est-ce que je trouve ? Une poignée de baroudeurs français. Des baroudeurs, certes, mais quand même des êtres humains. J'y suis baba aussi, moi ! Merci. C'est bon. On fait aussi à manger pour quatre ! À manger pour quatre ? Vite, vite, on est pressé ! Oui, oui, j'y vais, j'y vais. On est vachement plus vite servi comme ça, hein, chef. Vous préférez du vin ou du cidre ? Moi, je vais vous dire. Le cidre, ça meilleur. Alors, si on est obligé de se dépêcher. Allez, on va là, on change plus seul. L'ami malin a franchi le seul. Dankeschön. C'est ainsi que ces hommes luttèrent jusqu'à la victoire finale. Car, comme chacun le sait, nous perdîmes une bataille, mais pas la guerre. Tirez-vous ! Enfin... Et où est donc passée la 7e compagnie ? Vous êtes la 17e compagnie, geblieben ? À l'Hitler ! Hein ? Yeah ! À l'Hitler ! À l'Hitler !